Le rap si je suis réveillé au one shot. Rap master. Every day. To the hip, hip, the hobby, don't stop. C'est parti, mesdames et messieurs, bonsoir! Bienvenue sur Rap Masters, l'émission de chaque semaine, l'émission sur tous vos rappeurs suisses. Chaque semaine à 20h30 sur stéréotype.ch, le jeudi soir bien sûr. Et aujourd'hui, nous accueillons un DJ, et pas n'importe quel DJ, car c'est un DJ prénommé Vinyl Touch. Il est deux fois deuxième champion DMC des Suisses, en Suisse, pardon. C'est DJ Vinyl Touch, il est là aujourd'hui sur le plateau de Rap Masters. Merci ma man, thank you so much, ça fait super plaisir. Il nous vient du Jura, hein. C'est juste du Jura à Moutier exactement. Ben, avant de commencer Rap Masters correctement, on va regarder une vidéo de Monsieur Vinyl Touch en compagnie de qui déjà? De Sirou. Sirou, c'est le beatmaker qu'on va voir là sur la MPC 2000 XL. C'est parti, c'est dans Rap Master. Non, là, franchement, damn. Je dois dire, mais quelle précision! DJ Vinyl Touch, c'est un truc de fou. Et là, t'étais en fait avec un beatmaker qui s'appelle Sirou, c'est juste. Il a plus de 1 million de vues sur YouTube. Et il nous vient d'ici, ici en Suisse. Il vient d'où en Suisse? De Bienne. De Bienne en plus, c'est un truc de fou. Et toi, DJ Vinyl Touch, t'es deux fois deuxième, c'est-à-dire deux fois vice-champion DMC ici en Suisse. Et tu vis à Moutier. T'es juste là à côté de chez nous et personne sait rien. C'est un truc de fou parce qu'en tout cas, moi, je te connaissais pas, en tout cas, personnellement. Ça fait super plaisir. Vraiment un truc de fou. Tu peux nous dire deux, trois trucs que t'as fait en plus de ton parcours ici en Suisse? Alors, à côté du parcours suisse, j'ai fait champion de France en scratch. J'ai fait champion de la Coupe Vestax en France également. J'ai fait deuxième au championnat d'Europe qui se déroulait en France également. Après, j'ai fait d'autres battles régionaux, gagné certains, perdu d'autres. Et à côté de tout ça, j'ai bossé avec quelques rappeurs, notamment Chirilo de Genève, avec Renzo de Renan, et puis quelques autres rappeurs encore. Et voilà pour le parcours. En tout cas, merci. Et juste ben, peut-être un big up à my man Sirou. Merci à Sirou. Quand même, un immense big up à Sirou. 1 million de vues sur YouTube. Respect. En plus, il tape ça vraiment très très bien. Du coup, bah, un immense big up à Renzo, un immense big up à Chirilo, un big up à mon frère Mouton, et un big up à tous ceux qui regardent l'émission. Ça fait plaisir.
C'est incroyable, aujourd'hui nous avons un DJ, pas n'importe quel DJ, c'est DJ Vinyl Touch. Il nous est arrivé de Moutier aujourd'hui, ça fait super plaisir sur le plateau de Rap Masters. Mais c'est pas le seul qui est venu aujourd'hui. On a un invité spécial. Parce qu'on a un invité spécial. Absolument. Un invité spécial comme chaque semaine. Absolument. Absolument. Magnifique. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons sur le plateau Monsieur Fermino qui nous vient de la région lausannoise. Comment ça va mon pote? Pour faire briller. Aïe. Ça fait bien. Plaisir de te voir. Tranquille. Aïe. Yes. T'as vu qui on a comme DJ aujourd'hui? Je connais, c'est pas opérationnel. Prends le micro, il est juste là si jamais. Merci. Et toi? Vinyl Touch, c'est un truc. Vinyl Touch. Le mec est là. Ah, c'est un truc. Le mec est super. D'ailleurs, tu connais l'équipe de toute façon. On se connaît depuis de nombreuses années. Long time. Absolument. Et Vinyl Touch, je crois. Ça fait plaisir en tout cas. Une belle équipe aujourd'hui. Du monde. Aïe. Je suis content. Alors quoi de neuf, gros? Écoute, plein de choses. Là, c'est les vacances. Ok. Je travaille un peu sur des projets pour l'école. Et puis sur du son aussi. On a un concert ce vendredi. La première partie de Lords of the Underground avec Nocti et PMWH. Ok. Il y a Nostra qui sera là aussi. Nocti et MWH qu'on salue d'ailleurs. Big up. Gros big up, la famille. Yes. Si, si. Et puis voilà, plein de choses. Cool. Yes. Alors comme ça, tu fais du rap et tu t'appelles Vermino. Je m'appelle Vermino. Pourquoi tu t'appelles Vermino? Pourquoi Vermino? Alors la vraie histoire de Vermino, ouais, c'est que j'ai eu un jugement il y a de ça, je sais pas moi, 8-9 ans. Ok. Et la juge, elle m'a dit, vous êtes une sacrée Vermine. Du coup, ce jour-là, j'ai dit, je vais garder le nom Vermino. Ok, ça fait plaisir. Ça voilà, fait, ça fait exactement plaisir. Ça. L'histoire. Au moins une origine concrète de ton blaze. Mon blaze. J'ai juste rajouté un O, c'est ça. Ah, c'est cool. Donc, parlant d'origine, t'es originaire d'où exactement? Alors, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Prévent-Loup, un tout petit peu à côté de Romont. Et puis, mes autres origines, c'est un tout petit peu à côté de Berne. 100% Suisse. Je viens d'ici. C'est cool, ça fait plaisir. Vermine, moi j'ai une petite question pour toi. Depuis combien de temps tu rappes, homie? Depuis le temps qu'on se connaît, tu vois? Depuis combien de temps tu rappes? Bon, alors, je pense que je rappe depuis, je sais pas, 4. J'ai 4-5 ans, mais après, parce que j'ai des petites cassettes quand j'étais tout enfant où je parle avec ma sœur, mais je parle pas en fait, on comprend pas grand chose de ce que je dis. Tu rappes depuis 4-5 ans? Tellement rapidement, enfin, du rap, mais je parle super rapidement. Après que je fais du rap et que j'ai commencé à écrire quelque chose, je pense que ça fait 15 ans. Donc, okay. Ça fait 15 ans. 15 ans? Respect. Ouais, et puis, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 27 ans. 27 ans? Ok, si, ça fait plaisir. Donc, tu rappes depuis 15 ans? Depuis 15 ans. Après, sérieusement, que j'ai enregistré un morceau, que j'ai fait un concert. J'avais 14 ans et demi. Ok. Bah on va voir Vermino un peu plus en détail dans un freestyle. Un freestyle que t'as fait dans une boutique ici à Lausanne. Une boutique connue qui s'appelle 242, qu'on big up d'ailleurs. Dédicace, Basile, Jason. Ok, c'est parti, c'est dans Rap Masters, Vermino. Regarde ça. 242, Vermine, for real. Yeah. C'est 242 freestyle, c'est V-E-R-M-I-N-O, dis-leur bien, écoute. J'ai plus besoin de clash, vas-y range ton schlass, Switzerland bitches, tu fais tâche dans la masse. Vas-y cache ton cash avant que mes vermines ramassent, écoute. Hey. J'ai plus le temps de dormir, plus le temps de rêver, j'ai plus l'envie de croire ces histoires t'ont rendu fort. Car l'amitié d'un éléphant, ça se caresse pas dans le sens du poil. Au fond, c'est comme faire l'amour, c'est toujours mieux sans string ficelle. Enlève tes strass, tes paillettes, tu finiras le cul dans le peyote. Les lignes pas encore chez Payot, mais sur les murs, j'ai un 6-3-0. En mode bachelor, punchline la vie, fume un gros schler. Petit souper, grosse embrouille, un peu comme elle, je suis bipolaire. Vas-y arrête de faire la star, on sait très bien où est le rap. Si on poster, tu veux ta gueule, je te verrai bien dans Rap Mag. En vérité, vous êtes des schlags, j'ai plus de respect pour ta tasse, tu vois la tasse de mes lyrics. Attends la goutte, fais dans ton slip. Clic clac et fais corac, moi je viens vous mettre d'accord. Les deux mois, si elles font des histoires, ça se plaint de finir au tribunal. Mec, je t'avais dit, laisse-la tranquille, c'est pas pour rien que ça finit mal. T'aurais dû écouter tes potes avant de te trouver sous sa jupe et ça fait oh. Ici, c'est qui? Eh, c'est Vermino à 2K2, poteau. C'est pour la rue et pour mes vrais poteaux. Skater, graffeur, eh ouais, artisan de la rime, artisan de plein de choses, écoute bien. On est pas là pour blaguer, tous les jours je traîne partout. Tu vois ma gueule, t'entends si et ça, c'est quoi? Ok, des fois je traîne en ville, accompagné de qui? Écoute bien comment on fait les choses. Eh,
Des fois je traîne en ville, accompagné de jolies filles. Des fois je pars en vrille, 4 grammes d'alcool dans les pupilles. Trop con, j'aime la vie, j'oublierai plus de réfléchir. Rester sur mes gardes pour agir, donc j'écoute plus mon cœur. Saccageur, petit vandale, je faisais mes courses ici. J'avais 14 ans, c'est pareil, ils ont toujours de la sape à fournir. Tu pourras dire, y'a pas d'effort, mais tous nos gars sont là. Commerçants et artisans, c'est pour mes vrais gars ici. Freestyle 2011, on est plus qu'une équipe de foot. J'ai rien à foutre de ton équipe, écoute bien, c'est pas nerveux. Calmo et l'attitude, c'est vermino pour 2K2. Calmo et l'attitude, c'est vermino pour 2K2. Poto, écoute, Zimba, Gino, Jason, Dealer. Eh ouais, avec le sourire, ma gueule. Viens prendre des habits. Tu veux un peu de swag, façon, façon. Viens prendre des habits ici. C'est comme ça qu'on fait. Eh ouais. J'ai plus besoin de clash. Vas-y, range ton swag. Switzerland, bitches. Eh ouais, y'a pas de concurrence. Tu peux pas rivaliser. Tu peux pas, c'est 2, 4, 2. Aïe, Vermino. Yes, 242. Aïe, dans 242, le garage. 242, Bigos. Alors, mortel, hein, mortel freestyle. Bien, bien. On voit que tu t'es bien lâché là. On avait fait ça à l'arrache. C'était avec Jimmy qu'on avait fait faire un petit peu avant. Okay. Et puis, du coup, c'est quelqu'un que je connais vraiment, vraiment bien, Basile, et Jason 242. Okay. J'ai dit, vas-y, on fait un petit freestyle. Big up, les gars, c'est super. C'est ça. Faut faire merci. Des trucs comme ça dans les arrières-salles de magasin. Mais ouais. À fond. À part ça, t'as sorti un projet. J'ai sorti un projet, ouais. Un projet. Qui est juste là, qui s'appelle. C'est un micro-projet. Micro-projet. Yes, exactement. Donc, c'est un micro-projet qui s'appelle micro-projet. C'est le titre. Qui s'appelle micro-projet. Pourquoi il s'appelle micro-projet ? Parce que micro-projet, c'est une continuité. En fait, toutes les personnes qui sont dans le label hors forme, hors norme, okay. Ils vont faire un micro-projet. Alors, pour l'instant, il y a moi qui en ai fait un. Il y a Imperceptible qui sort le sien. Là, il l'a reçu. Tout dernièrement. Onya, respect, la famille. Peace. Et voilà, il y a 8 titres. Il y a un featuring avec Speech, il y a un featuring avec Nostra. Et voilà, le truc est là, le truc est à la Fnac, le truc est justement chez 242, okay. Outsider Shop aussi. Excellent. Et voilà, j'en suis content. Et donc en fait, le projet il a été produit entièrement par Skyle, c'est juste. Monsieur Skyle. Exactement. Monsieur Skyle qu'on big up. Yes, big up Skyle. Bien sûr. Et à part ça, j'ai vu que tu avais 2-3 feats dessus, tu peux nous en parler un petit peu. Il y a Nostra, c'est juste. Alors il y a Nostra, il y a Speech aussi, il y a le morceau okay. Nos Valeurs. C'était un morceau que j'avais fait avant chez Ketak, qu'on n'avait pas terminé, qu'on n'avait pas sorti. Du coup, on a repris un autre son à Skyle et on l'a mis sur ce projet. Et il y a un feat aussi avec Mikael et Nala, qui sont deux personnes que j'ai rencontrées grâce à notre type, qui sont deux personnes du label Alchimie Radicale à Paris. Ça, c'est sur le dernier morceau qui s'appelle Voyage. Ok. Et voilà. Et il y a un featuring avec Chaka et Gambi aussi. Le morceau s'appelle Étranger. Donc Chaka Z, grosse dédicace aussi. Ouais, Chaka, York, Chaka yes, qui est passé ici d'ailleurs, ouais, qui va passer, pardon. Ouais. Vous avez Chaka, mais pas Chaka, c'est ça. Exactement. Exactement. On a eu Chaka, toute une autre histoire. Toute une autre histoire. Est-ce qu'on peut dire que si t'es aujourd'hui ici sur le plateau de Rap Masters, c'est parce que tout n'arrive pas pour rien? Ah, ça c'est sûr et certain. J'ai pas fait que tout n'arrive pas pour rien. C'est fin, très fin. Tout n'arrive pas pour rien, en fait, c'est le titre d'un morceau, ouais, qui se trouve dans le micro-projet qu'on va voir tout de suite dans Rap Masters, le clip Tout n'arrive pas pour rien. Tout. Produit par Skyle. Et le clip, c'est Stratège bon. Qui a filmé. Yeah. Et puis ça a été produit par K8. Tout n'arrive pas pour rien, je suis de plus en plus certain. Tu peux te servir dans la caisse, t'auras jamais tout le butin. J'aurais pu d'Arsène Lupin, j'aime les voleuses en parésie. Avec la classe d'Angelina, c'est des pouilleurs de l'hôtellerie. Ok, ma vie c'est les conneries, bien que je savais piquer les orties. Horticulteur de cette culture, Robin des Bois. Mais pas acteur, avec carquois et de flèches. T'es plus à la hauteur, vivant au milieu des riches. Il faut savoir faire sa loi, les pauvres soit ils finissent braqueurs, soit ils croupent, ils sont ch'tards. Et puis au pire, si tu t'en fiches, on te donnera un marteau piqueur. Oui, le travail c'est la santé, mais regarde les mots mourir. Écoute la ville qui sommeille quand les bandits agissent. Quand la police perd ton fric et que la justice m'acquitte. Que le peuple voudrait ma tête, c'est toutes vos enquêtes que je cite. On n'arrive pas si vite, attends petit, je t'explique. Attends un peu, la recette ça finit en course poursuite. On m'a dit tout, tout, tout n'arrive pas pour rien. Si tu provoques les choses, on dira celle des cinq disques tout. Tout
n'arrive pas pour rien. En agissant aujourd'hui, tu verras bien. Demain, ils me disent que tout n'arrive pas pour rien. Fallait réfléchir, gamin, dis-moi pourquoi tu te plains. Ils me disent que tout n'arrive pas pour rien. Les longues peines, la maladie, les proches qui partent au paradis. Yes, moi, je les vois jeunes. Aïe, tout n'arrive pas pour rien, Vermino. Oui, si, très très bien. Yes. Si un jour tu voyais écrit sur un mur Vermino Gainsbourg du rap suisse, tu dirais quoi? Je rigolerais parce que je l'ai déjà entendu plein de fois. Bien sûr, comme ta façon de rapper et tout, mais c'est valorisant quand même. Ouais, c'est très très valorisant. Ça fait plaisir, quoi. Right. Tu fais quoi dans la vie là en ce moment? Alors, dans la vie, je suis étudiant à l'école. En art visuel, je fais de la peinture, de la sculpture, de l'art vidéo. Je fais des trucs avec de la cire, je fais de la lithogravure, je fais des trucs avec de la triclo, je fais plusieurs choses. Tu fais plein de trucs. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs de Rap Master ce que c'est qu'un mobile? Ce que c'est qu'un mobile? Ah bah, un mobile, c'est un truc qui tourne autour de la tête pour les enfants, qui fait en sorte qu'ils s'endorment un peu, ou en tout cas qu'ils soient un peu apaisés. Du coup, moi j'en ai fait un pour les cales, qui s'appelle Demain c'est loin, qui est un peu, c'est pas un constat social, mais c'est un peu... En fait, pour expliquer vraiment, c'est basé sur les casquettes Lacoste, sur les habits Lacoste. Sur ton profil, c'est la photo que tu as mis sur ton profil sur Facebook. Vous tapez VER, espace, MNO, et vous tombez sur le profil, sur le mobile, pas sur le profil. Avec des barres à mine, attention. Avec des barres à mine, ouais, c'est ça. En fait, il y a un étage de canne, un étage de casquette, un étage avec un pied de biche, un étage de casquette. Et c'est un peu mis en lévitation, c'est pour mélanger, parce qu'à l'époque, il y a un peu tous les vieilles personnes, et d'ailleurs toujours, qui portent Lacoste. Et plein de Kaira françaises qui ont braqué des camions, compris cette marque. Du coup, la marque, elle a vraiment perdu beaucoup d'argent. Pas qu'à cause de ça, mais c'est une marque un peu fait vous. Okay. Et qui aujourd'hui d'ailleurs rachète des gens et des graphistes pour un peu redynamiser leur marque. Moi, j'ai fait ça, c'était un peu plus pour montrer que bah, demain c'est loin, le petit vieillard qui va chercher son pain, il se dit demain c'est loin. Et puis le Kaira qui va chercher le porte-monnaie du petit vieillard pour se nourrir, il se dit aussi demain c'est loin. Et les deux, ils sont habillés avec un survêt Lacoste. Et le liant du truc, c'est le cordon qu'il y a sur le survêt, parce que celui qui a été en garde à vue, bah, on lui l'a enlevé, alors que le petit vieillard, bah, il l'a toujours. Ouais, t'as tout un concept derrière ça, en bah, fait. Ouais, c'est obligatoire. Ouais, c'est bien réfléchi, en fin de compte. Mortel, Vermino, artiste. C'est ça, artiste entier. Ah, c'est ça qu'il faut. Et tu peux me sortir deux ou trois noms de morceaux qui t'ont vraiment donné envie de commencer le rap? Ah, bah, il y a les morceaux, franchement, il y a les morceaux d'IAM. Il y a les morceaux de la FF, il y a des morceaux de la Brigade, il y a des morceaux d'X-Men, il y a des morceaux de Nas. Okay, des morceaux de Nas qui m'ont vraiment... C'est ça, c'est ce que t'écoutais en fait au tout début, à en fait, c'est ce qui t'a donné envie de rapper depuis la cour d'école, depuis le chemin de l'école même. Ouais, après j'ai commencé à écrire, j'écoutais encore du reggae, des Renault, okay. Et j'ai commencé à rentrer dans le rap. Non, en fait t'as écouté, bien sûr, t'as dû écouter du reggae, t'es méloman, quoi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père qui aime beaucoup la musique, qui avait une bonne collection de vinyles que j'ai en partie. Et du coup, j'écoutais un peu de tout, des Juliette Gréco, du Herbie Hancock, ça va un peu partout. Eh ben alors, c'est cool. Aujourd'hui, figure-toi c'est que ça. Dans Rap Masters aujourd'hui, on va approfondir un peu ses connaissances. On va voir. C'est là que c'est dur. C'est là que ça commence, Rap Masters. Le moment préféré des téléspectateurs. Grâce à ma main DJ Vinyl Touch, il va nous faire un quiz digne d'un quiz de DJ Idem. Mais aujourd'hui, c'est le quiz de DJ Vinyl Touch. Et c'est dans Rap Masters. Alors c'est parti, m'emmène Vermine, je t'explique le concept, tu connais le concept ou pas? Je connais le concept, là j'ai regardé les émissions. Bah c'est simple, il y a 4 catégories, tu les connais toi-même, tu sais. Français, Suisse, Américain, et reconnaître les originaux des samples. Ok, moi je vais choisir français. Français? Alors c'est parti, Vinitech, t'as du français dans ton laptop ou pas? C'est parti, premier morceau, DJ Vinyl Touch, c'est dans Rap Masters. En falche. Ah, ça c'est Kazé, en falche. Ah, bien joué, yeah. Kazé, très très bien. Vermine, il est là. Je te raconte comment chaque fois j'affronte, où dois tenir tête. Et Kazé, qui a eu l'occasion de passer bien sûr plusieurs fois en Suisse. Et que nous, bien sûr, exactement d'ailleurs. Après elle. Festival du Jubilé, exactement. Après, mortel. C'est ça. Deuxième morceau du quiz. Alors, 1 sur 1, Vermino. Mortel.
Vermino, il rigole. Il rigole parce que il a vécu tellement de moments sur cette musique. Sa connaissance dans les années 80, 80. Ma vie est l'adolescence. Allez, pour mes mecs bloqués en avant, ouais. Les Oxy, c'est qui te dit bien sûr, The Kids. Ah, bien sûr, bien joué, Vermine. C'est ça qu'il faut, classique shit. Ça, c'est du bon chassé français. DJ Vinyl Tech. Troisième morceau, Rap Masters. C'est pas, c'est si, si, si. On a vu ça en concert à Vevey. À Vevey, plein d'endroits aussi. Ouais, à Neuchâtel, en Suisse. Neuchâtel, j'étais pas là. J'étais pas là. Mais c'était bien sûr aussi mouvementé que d'habitude. C'était très mouvementé. Je suis content de manger du bon. On va épargner les détails. Au dossier. Alors, quatrième morceau de Rap Masters. De DJ Vinyl Tech. Ça, c'est bon, c'est juste un dernier jour sur Terre à passer. Je te fais mes adieux. Pas de problème. La clique. Ouais, sur Ketkin. Là, j'ai écouté en gros. Là, c'était cadeau, hein, vraiment. Là, c'est cadeau. Cinéma, le monde entier. 4-4 là. Bien joué. Un dernier jour sur Terre à passer. Y'a quoi Y'a rien de neuf. Toujours les mêmes histoires à tenter. Les mêmes jours qui passent, les mêmes billets qui filent dans mes mains. Les mêmes regards, les mêmes sensations. Fin de siècle oblige, fabrique un vestige. Si. Cinquième et dernier morceau. Quiz. Tu vas pas le louper. Allez, sans faute. Perfect. C'est obligé. Sans faute. Ah, on sait qui c'est. Ça vient de bien sûr. Ma thèse va craquer. Et ma cité va craquer. Craquer, bien sûr. Global Bénèque. Ouais. Dans tu la récoltes. Opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lâchent les potes. Aïe. Déchire DJ Vincent. Merci. T'as assuré. Là, on peut checker. On peut te dire que merci parce que ça nous a rappelé des moments vraiment. Des gros Vincent. Eh. Deux fois vice-champion DMC Suisse, DJ Vinyl Tech, vraiment merci. Ça, voir là, comme on dirait chez DJ Dem. Merci. Déchire. À qui c'est attendre? Aïe, ben, en attendant, nous qui savons t'attendre. Tout va venir à point là maintenant parce qu'on va continuer l'interview de Vermino. C'est dans parti. Mastermind. C'est parti. À part ça, Vermino, t'as 2-3 dates de prévu là, c'est juste, hein? Alors, on fait justement vendredi prochain, là, le 13 avril. Ouais. Au Net de Montreux, première partie des Lords of the Underground avec notre TMO. Excellent. Mais surtout, le 26 mai, au bout du monde à Vevey, je fais un concert tout seul. Okay. Avec DJ Seb. Okay. Alors, c'est un concert expérimental, il y aura des surprises. Okay. Il y aura aussi 2-3 invités que je prendrai. DJ Seb, les gars, DJ Seb. Voilà. Et voilà, ça c'est le projet vraiment d'actualité, c'est le 26 mai. Excellent. Et puis, projet, tu comptes nous faire un album là bientôt quoi? J'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup, j'aimerais trouver le temps. Qu'est-ce qui t'en empêche, le temps? Et je pense qu'il faut encore vivre un maximum de choses. Je suis quelqu'un qui a besoin de passer du temps, de trouver des choses pour pouvoir m'influencer de CSI. Je le vis tous les jours. Bien sûr. Et à un moment donné, je pense que je me concentrerai vraiment à faire ces 14 ou 15 titres qui seront un album dans moins d'une année. Bien sûr, et puis je suppose que tu veux finir tes études quand même. C'est quand même la chose. Voilà, c'est primordial, même si je puis me permettre. C'est clair. Ok. Et là, il y a une compile qui vient de sortir, c'est juste. Il y a une compile, ça dépend de quoi on une parle. Une compile en on parle de la même chose. OO2. OO2. OO2, parce qu'il y a eu la une. Ok. Alors celle-là, elle est gratuite. Elle est gratuite. La première, on la trouve encore à la FNAC, etc. On peut la voir où? On peut la voir alors chez Discabrac, on peut la voir dans mon sac, on peut la voir en dans sac à Vermine. Dans ton sac. Dans mon sac, quand tu me vois, je me balade. Sautez dedans quand vous le voyez, vous sautez dedans. Alors il y en a mille, il y en a déjà pas mal qui ont été distribués, okay. Il en reste encore. Celle-ci, on peut la garder. Celle-ci, vous pouvez la garder. C'est cadeau. Ok. Et puis, comment dire? Donc. La première, on peut aussi la trouver aux mêmes endroits aussi en fait, c'est juste. Alors on peut la. Je sais pas si on la trouve partout aux mêmes endroits, je pense qu'à Discabrac il y a encore, mais en tout cas à la FNAC dernièrement je l'ai vu. Ok, et puis on peut le trouver aussi au même endroit que ton projet. Micro projet. Alors chez 242 Outsiders, je crois que le son 1 il y a encore chez Outsiders. 242 Outsiders. Mais à 242 il y a mon micro projet, il n'y a rien d'autre. Ok. Ce qui prend pas de CD d'habitude et puis il a décidé juste de faire une sorte d'exclu. C'est magnifique, ça fait super plaisir.
hors forme, hors norme. À part ça, il y a beaucoup de gens sur cette compile. Il y a toutes les personnes du label. Ok. Il y a Bob le Zombie, il y a sûr. K, il y a MOH, il y a Nocti, il y a Veli. Big up. C'est que des morceaux qui sont pas encore sortis. Excellent. Du coup, allez checker ça, c'est vraiment. Il faut écouter bon ça. Ça, franchement, ça a l'air d'être du lourd. Et puis, c'est produit aussi par Sky, ou bien ? C'est en grande partie tout produit par Sky. Ok. Certains morceaux, je crois, de Willy Sunshine, sauf erreur, je suis pas certain de tout ce que tous les producteurs. Excellent. Mais en tout cas, ça reste dans le cercle hors forme, hors norme. Ah, ça, c'est cool. Mais d'ailleurs, on va faire un petit big up à hors forme, hors norme, d'ailleurs. On va leur faire un big up en regardant un clip dans lequel tu fais apparition d'ailleurs. Et grande musique. Grande musique. Grande musique. Et c'est produit par qui en fait? Odd Rock. DJ Odd Rock, c'est juste. Yes, big up. Donc aujourd'hui, dans Rap Masters, grande musique, c'est parti hors forme, hors norme. Nocti MOH, c'est parti. C'est dans Rap Masters. Passer ma journée, pas moyen de me la détourner. Elle est aussi vaste que le monde qui sans elle peut s'arrêter net. L'inspiration repart à 100 quand elle se manifeste. Grande musique jamais affichée en public, mais toi et moi on sait qu'elle se fout des statistiques. Ma zik, elle est sa censeur et son sœur. Adoucit les mœurs, exprime ta douleur, t'accompagne même jusqu'à la mort. Allège ta peine, de nuit deviens reine. Brise tes chaînes, même vont elles. Des cœurs sans graines, ton corps t'entraîne sur la piste. Les pas s'enchaînent, c'est comme vivre en prenant des risques. Les enceintes t'emmènent. Ma grande musique est large, barge, repousse toujours ses limites, même si elle a pris de l'âge. Elle reste loin d'un top 50 volage. Quand elle s'écrit, elle embrasse toujours une nouvelle page. Mal de nègre arsenique, assassin idéal chic, timide et sans complexe, dynastie lunatique. Les sages pour la rumeur, la secrète et la frontie. EJM, le ministère, mène sa naissance unique. Afro-jazz, la clica, solar différents types. NDM, Puccino, Kazé, le Raluciano. Sandem time, bomb disease, la gade et la mifa. I am cryptic, double pack, les little café mafia. Yeah, yes. Grande musique, excellent. Très grande musique. Fait par K8. Monsieur Kill You Films. Kill You Films. C'est pas ouais. C'était pas seulement. C'est mon film. C'est alors mon... c'est mon film, ça a été filmé. Ah, filmé. Par C'est mon film. D'accord. Monsieur Stratège du Canada. Ok. Après ça a été monté par Monsieur Kill You Films. Kill You Films. Con. D'ailleurs, big up. Merci. Merci. Big up. Putain de montage. Merci beaucoup. Le truc est là. Ok. Si. Ça fait plaisir. À part ça, ben, tranquille quoi. On arrive presque au terme de l'émission. Déjà quoi. Eh oui. Mais non. Dis voir, tu nous feras un petit freestyle ou quoi après? Je pense que je vous ferai un petit freestyle. Mais bien sûr. J'aime beaucoup. Intérêt. Ok, mais avant ça, on va juste voir un petit truc. L'agenda de la semaine. Tu sais quoi faire ce week-end toi? Ce week-end, ouais. Tu sais que tu t'as trop de trucs. J'ai deux, trois infos. Si jamais tu sais pas quoi faire, eh ben écoute ma main, Seven Sun, c'est dans la Masters. C'est parti pour les infos de la semaine. Merci pour l'agenda de la semaine, j'ai jamais vu un agenda plaisir. Aussi. Agenda que celui-là. Mec, je saurais quoi faire si par hasard je trouve du temps. Alors, j'espère, c'est bien, cool. J'espère. Et c'est dans Rap Masters. Mais dans Rap Masters aussi, nous avons Vermino aujourd'hui. Vermino. Qui est venu nous présenter son micro-projet. Et ouais. Mais qui va nous faire en plus de ça un freestyle. Un gros freestyle. En live and ready. Direct. Dans Rap Masters. Avec ma main DJ. Vinyl Touch. Et ma main Vermino. C'est parti. C'est parti pour le freestyle. Faire péter les vibes. On écoute ça. Il y a des gens qui connaissent ce son sûrement. Yeah. Ok, c'est VERMINO pour Rap Masters. Écoute les vibes pour mon gars Jérémy aussi. Eh ouais, c'est là et la manière. Ok.
quand il y a l'art et la manière de faire les choses, les façons de rester simple et de donner de la matière. Juste une voix, écoute quand je cause, c'est du flow sans préliminaire. J'ai stoppé les délits mineurs pour assurer ma carrière. C'est Vermino, musique, rien que ma petite musique. C'est mes morceaux, nos voyages et tous ces moments authentiques. 100 000 manières de rentrer tard, y'avait toujours les bonnes techniques. À part d'entrer gratuite, où y'a 2-3 potes à la porte. Petit Gélard de rester calme, et viens pas abuser. Dis à tes potes de faire les sages, sinon ils vont tout saccager. Le petit lâche et le respect, c'est aussi de fermer sa gueule. Je l'ai mieux compris avec le temps, de mes conneries j'ai fait le deuil. Ça s'appelle art, manière, cache, matière. Écrit en grand, c'est VER, Sims Leurdour. Ça s'appelle art, manière, cache, matière. Écrit en grand, c'est VER, Sims Leurdour. Ils parlaient mal, demande à mes gars, depuis quand on braque des mastas. Depuis quand j'écris des textes sur des sons de rasta. À l'époque ça faisait du roller, on leur faisait rouler nos joints. Aujourd'hui je côtoie des banquiers, des mecs bizarres, malsains. On m'a dit qu'on mélangeait pas le saumon et le caviar. On a même voulu faire croire que Simon vivrait au mitard. Je te la partie, jamais t'y pars, regarde en bas de ta gare. On a laissé plus que les traces de tes vieux coquards. C'est toujours un freestyle, c'est ce soir sur Marc, sur Rap Masters mon frère, c'est ça. Si 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 bra, si, bra, si, bra. Si. C'est là et la manière. Aïe, monsieur Vermino, l'art et la manière, on s'est ramassé. Toujours, monsieur Gainsbourg du rap, toujours. À l'époque, on faisait du roller. On faisait beaucoup de choses, on faisait du roller. Ici, Vermino, merci, hein, t'as assuré. Merci à vous. Bon freestyle, hein. Merci à tous les gens qui vont regarder ça aussi. Merci à tous ces gens-là, bien sûr, tous les téléspectateurs Rap Masters. Et puis nous, bien sûr, c'est chaque semaine, hein, chaque semaine. Donc à 20h30 sur stereotype.ch, vous avez Rap Masters. N'oubliez pas, et bien sûr on va remercier nos DJ, deux fois deuxième DLC Rap Suisse Vini Touch. Yes, j'ai encore un immense big up à faire pour ma MND DJ Idem de Delémont. Yes, DJ Idem, qui est quand même la personne qui m'a invité ici. Et un immense remerciement à Rap Masters. Super bien reçu, superbe émission. Nickel. Tout plaisir pour nous, hein, mec. Yes. Franchement, franchement, déchire. Et maintenant, bien sûr, nous, on se revoit quand la semaine prochaine avec un autre invité spécial. Et là, vous allez voir DJ Vinyl Touch avec, en train de faire des prouesses de malade, bien sûr. Des prouesses de ouf. C'est parti. Look at that. Look at that. Yeah. DJ Drop This. You know my name. DJ Vinny Touch. Rap Suisse, le rap Suisse s'est réveillé au one shot.